Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui. Je suis passée ce matin chez Action, ça faisait un petit moment que j'y avais pas été parce que d'habitude c'est mon mari qui va pour moi. Donc là ce matin j'y suis allée, je me suis un petit peu lâchée, un petit peu, tout petit peu. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé ces trousses à paillettes, ça doit être 1 euro, 1,16 € je crois, quelque chose comme ça. Donc je l'ai pris en rose. Donc là ça va être, j'ai mis toutes mes petites. Mes colles, mes crayons que j'ai besoin quand je fais quelque chose. Donc je l'ai pris en rose comme ça et je l'ai pris en comme ça. Alors ça, je dirais que c'est plus ça tire vers le rose gold parce qu'il y avait le doré doré, mais ça faisait plus jaune. Et donc là-dedans, j'ai mis les crayons, mes pencils 68 et puis mes crayons, les crayons de chez Action, là, aquarelle. Donc voilà, j'ai mis ça dedans. Parce que je vais ranger mon meuble. Donc j'ai fait comme les copinettes, j'ai pris ces petites boîtes et je vous assure, j'ai eu de la chance, c'était la dernière dans le rayon. Elle m'attendait celle-là, j'en voulais deux et j'en ai eu qu'une. Mais elle m'attendait. Elle a été faite pour moi. Je l'ai vue, j'ai pris. Donc là, je vais pouvoir commencer à ranger. J'ai repris deux. Attendez. Ah, je me suis trompée. Ah bah celui-là, c'est une erreur. Faudra, je vais aller l'échanger parce que c'est pas bon. Donc sinon c'était du magnète comme ceci pour ranger mes dies. Oui, bah celui-là, il faudra que j'aille l'échanger. Ça tombe bien, j'ai mon ticket de caisse. Donc, puis je voudrais y retourner pour retrouver une boîte comme ça. Donc bah, j'y retournerai dans la semaine. J'ai pris deux petits cadres comme ça. Alors ça, c'est de la faute à Nathalie de Chanel Scrap. Elle a fait un tuto sur un cadre, son premier cadre, et j'ai trouvé ça super joli. Alors j'aimerais, on va dire, je voudrais faire ça pour remercier les maîtresses en cadeau de fin d'année. Donc faire deux petits cadres comme ça. Donc je vais essayer ça. Donc je pense que ça va être, faut pas trop, ouais, il reste 2 mois avant la fin de l'école, mais le temps de le faire, réfléchir un petit peu tout ça. Mais j'aimerais faire ça en cadeau pour les maîtresses. Donc voilà. Donc ça, j'ai pris. Ensuite, alors à force de les voir, je les ai quand même pris. J'ai pris ces petites roses-là. J'ai pris un petit sachet comme ça. Des petites enveloppes quand on en voit. Et vu que j'aime bien le vert anis, j'ai pris des petites fleurs comme ça. J'ai trouvé ces petites fleurs-là. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des rouges. J'ai pris des violettes. J'ai pris des roses. Et là, j'ai pris de la dentelle comme ceci. Donc là, j'ai 5 mètres. Je vais sortir ce qui me reste, ça m'évitera de me pencher. Donc j'ai pris de la dentelle blanche comme ça. Attendez, hop, je sais pas si vous allez bien voir, comme ça. J'ai pris de la violette. Alors j'en avais pris plein, hein, mais bon, au bout d'un moment, faut s'arrêter. Hein. Donc j'ai stoppé, ce sera pour la prochaine fois. J'ai pris ça, le raffia un peu comme ça, qui imite le centaure. Donc j'ai pris. J'ai pris des petits strass un peu couleur marron. Je les trouverais vraiment super jolis. Marron, il y a gris, jaune. Donc j'ai pris ça, mais ce sera pour un échange.
Et j'ai pris... Alors, c'est monté. J'ai pris ceci. Comme ça. Et j'ai pris un tas de crayons, mais c'est pas pour moi, c'est pour mes filles. Parce que franchement, ils sont bien ceux-là. Donc j'ai pris ça. Donc voilà pour Action. C'est déjà pas mal. Ensuite, alors chez moi, j'ai pas beaucoup de magasins loisirs créatifs. Il me reste, nous on a Créatitude. Et c'est principalement ce qu'on a parce que je crois même qu'il n'y a que. D'Albé, on n'en a plus. Il y aurait peut-être en centre-ville, peut-être, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre. Sinon, c'est vraiment soit Action ou soit Créatitude. Donc, Créatitude, j'y vais, mais vraiment quand j'ai pas le choix ou quand c'est les soldes, parce que sinon, c'est hors de prix. Donc là, j'ai trouvé des petites plumes comme ça. Donc là, c'était 1,49€. Donc ça, ça va encore. C'était, mais elles sont vraiment belles. Ça fait vraiment plume. Ça fait pas papier coupé quoi, c'est vraiment des plumes. Donc ça, j'ai pris ça. Là, c'était un set. Bah, je les ai mis à l'envers du coup, parce que je l'ai déjà ouvert. C'est des napperons. Donc là, j'ai 40 napperons, diamètre 11 cm. Alors, ils sont vraiment épais. Hein. C'est des rangers. Donc là, j'ai payé ça 2,49€. Donc bon, ça reste correct, sachant que j'en ai 40. Et c'est surtout pour faire avec mes petits cadres là, du coup, derrière une photo, voilà. Et j'ai trouvé mon bloc de papier noir. Donc je vais pouvoir finir de ranger mes dies. Donc voilà, j'ai pris ça. Bloc dessin, j'ai 40 feuilles, j'ai pris du 150 grammes, donc c'est déjà pas mal. J'ai déjà regardé, c'est pas mal. Parce que du coup, il y avait que du 120 grammes. Alors, 120 grammes, ça faisait faible. Là, 150, c'est pas mal. Donc, j'ai pris ça. Donc, je l'ai payé ça à 8€. Mais j'ai 40 feuilles. Donc, j'ai déjà de quoi venir hein, en format A4. Le temps que j'utilise ça, ce sera déjà pas mal. Donc, voilà pour mes achats d'aujourd'hui. Donc, c'est pas mal. Du coup, il faudrait que je retourne certainement, je pense, vendredi matin. Je pense que ce sera vendredi parce que mon mari est allant à l'hôpital vendredi matin. Je dois l'emmener, donc il y reste à peu près 2 heures pour pas toujours ses problèmes hein, qu'il a de santé. Donc, du coup, je pense que je vais rester, pas faire les magasins, je retournerai chez Action, j'irai échanger mon papier qui ne va pas, parce que du coup, je veux le magnétique pour pouvoir faire, parce que une fois fini mon rangement, je vais vous faire voir, j'ai rajouté des feuilles magnétiques et on peut en mettre quand même plusieurs dans le classeur de chez AliExpress, franchement, ça vaut le coup. Donc, voilà. Sinon bah, je vais vous faire une deuxième vidéo tout de suite après. J'ai fini de ranger mes tampons dans mes classeurs, tout est étiqueté, tout est fini, donc je vais vous faire voir ce que ça donne et comme ça je vais pouvoir après commencer à ranger parce que j'aimerais bien commencer à ranger mon petit meuble parce que si j'ai des boîtes mais enfin bon c'est pas rangé comme il faudrait, il faut toujours que je sorte quelque chose pour avoir ça me plaît pas, voilà, on va dire clair et net, ça me plaît pas. J'aimerais dans l'avenir avoir une pièce, j'ai beau regarder hein, des belles pièces avec tout plein de meubles de rangement, mais mon mari est pas très fan parce qu'il me dit que sinon les meubles ils vont être pleins, donc voilà. Mais déjà, rien qu'avoir un bout de table à moi et que voilà, je m'y rejette quand je m'y jette dans mon projet, etc. Parce que là, à chaque fois, là encore, le week-end dernier, j'ai eu quelqu'un qui a sonné à l'improviste et ma table de salle, il y en avait partout. Donc voilà, juste avoir un petit coin, ce serait pas mal. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà quoi, on va attendre, hein, c'est comme ça. Déjà là, je squatte la chambre de mon fils pour faire les vidéos, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite. Je vous fais une vidéo sur les rangements de mes tampons. Et je vous dis à plus tard. Bisous bisous.